Je voudrais d'abord vous rappeler que le mardi passé, nous avons tenu une réunion sous la direction de monsieur le directeur général de la police nationale, le contrôleur général Bafoué Assoumane Camara, qui nous a instruit à mettre un dispositif de sécurité pendant les fêtes de fin d'année, c'est-à-dire les 24, 25, 31 et 1er janvier. Donc, en commun accord avec le directeur central des unités d'intervention et celui de la direction centrale de la sécurité publique, nous avons mis un plan opérationnel pour sécuriser la ville de Conakry et voir l'intérieur même du pays pendant ces festivités. Donc, voilà la présence de la police CMIS, les agents de la sécurité routière et les agents des commissariats centraux de la ville de Conakry et l'intérieur du pays. Voilà des ralentisseurs pour empêcher les gens de rouler à vive allure afin de minimiser l'accident ou d'air de ne pas commettre un accident de circulation pendant les festivités. En tout cas, je vous rassure que toutes les dispositions sont prises à cet effet. Pour cela, combien d'agents vous avez pu mobiliser au moins? Bon, je ne connais pas le nombre de la CMS que nous avons mobilisé et non de la sécurité publique, mais en ce qui concerne la routière, tous les commissariats, les 7 commissariats spéciaux de sécurité routière de Conakry et les éléments de la brigade mobile seront repartis en deux groupes de travail. C'est-à-dire le 24, un groupe qui va travailler, le 25, le groupe qui a travaillé le 24 se repose, un autre groupe qui travaille le 25, et ensuite les gens continuent à se reposer, on continue le quotidien. Le 31, le groupe qui a travaillé le 24 va reprendre, et le premier, le groupe qui a travaillé le 25 également sera sur le terrain. Et on tend vers la fin d'année et on doit aussi parler des bilans, par exemple, des accidents qui se sont produits au courant 2018. Est-ce que vous pouvez revenir brièvement sur, nous donner au moins les statistiques concernant ces accidents? Oui, effectivement, en 2018, il y a eu des accidents qui ont été enregistrés. Quand je prends la zone spéciale de Conakry, il y a eu zone spéciale de Conakry, il y a eu un nombre d'accidents, il y a eu 848 cas d'accidents de circulation, répartis comme suit, c'est-à-dire 67 personnes ont été tuées, des accidents avec blessés graves suivis de mort, donc il y a 248 qui ont été grièvement blessés et 162 ont été légèrement blessés. Et ensuite, il y a eu des dégâts matériels importants. 222 véhicules ont été fortement endommagés et 496 véhicules ont été légèrement endommagés. Il y a 161 une moto qui ont été impliquées dans ces différents cas d'accident de circulation dans la zone spéciale de Conakry. D'accord. Et en prenant l'intérieur du pays, en matière de la police, dans le domaine de la police, police routière, Conakry a eu 848, comme je vous ai dit, Kindia 457, Boké 973, Mamou 172, Labé 224, Farana 296, Kankan 1238, c'est-à-dire pourquoi Kankan 1238, vous savez, à Sigiri, avec les motos taxi, voilà, ils sont très nombreux, et là-bas, tous les jours, il y a des accidents. J'ai recouru 663, soit 4871 cas d'accidents de la circulation. Le nombre est élevé. Du côté police. Oui, le nombre. Côté gendarmerie routière. Oui. Ah, ce sont des chiffres justement qui donnent froid au dos. Ouais. Et quelles sont les dispositions que vous comptez prendre au cours de l'année 2019 là pour minimiser ces cas d'accident? L'année 2019, d'abord je vais vous dire que par rapport à l'année 2017, en 2018, il y a eu moins d'accidents. Selon le subsection statistique de notre mission d'Irak à Kindia. Donc, l'année 2019, nous allons essayer de faire tout pour que vraiment il y ait diminution de cas d'accident de circulation. On ne peut pas dire qu'on peut définitivement mettre fin aux accidents de circulation. Vous savez, les gens sont imprudents à la conduite. Il n'y a pas de priorité de courtoisie, il n'y a pas de respect. C'est-à-dire, les gens ne considèrent pas
les erreurs des autres. Si on n'accepte pas les erreurs des autres, finalement, ça ne peut pas aller, on finit par faire d'accident de l'action. C'est l'indiscipline qui fait ça. Ok, mon directeur, justement, vous venez de prendre fonction. Et est-ce que vous pouvez nous parler de vos priorités à la tête de cette direction? La priorité est nombreuse. Dieu merci, le chef du département et la direction générale de la police, ils ont eu à mettre à notre disposition plus de 200 jeunes policiers qui viennent sortir de l'école de police. Que nous sommes en train de planifier, qu'on a déjà planifié, la majorité, au niveau de Conakry, pour vraiment réduire un peu l'embouteillage. Si vous avez constaté de Hamdan Laye jusqu'en ville, vous voyez les agents qui sont aux jalonnements. Les jalonnements, c'est là pour empêcher les gens de faire des fils, de fils, augmenter deux ou trois, quatre fils dans certains endroits. Donc nous luttons contre le non-respect des fils de véhicules et l'interdiction formelle aux moto-taxis de rentrer dans Kalou. Ça c'est des instructions de l'autorité qui doivent être exécutées à la lettre. Et le port obligatoire de CAX. De CAX par le conducteur de moto et le passager. Donc ça sera nos priorités. À cela s'ajoute bien sûr le contrôle des serveurs qui conduisent sans permis de conduire. Parce que nul n'a le droit de conduire un véhicule s'il n'est pas détenteur d'un permis de conduire. C'est ici seulement qu'on voit quelqu'un en train de conduire et il n'a jamais pris le permis. Même si tu sais conduire, si tu n'as pas de permis, pour nous c'est un danger. Il faut que tu sois autorisé. Ok, merci monsieur le directeur. Je vous remercie. Obamia Tiresia, Obamia.